Nuit du 15 août, cet été. Ciel criblé de points scintillants. Bonheur de nommer. La mémoire des hommes a conservé les premières découvertes. On a ajouté d'autres. Dans l'inconnu ténébreux, des connexions se tracent. Creux de la nuit. Tant d'espace encore non parcouru, pas de neurones, pas de synapses, un gigantesque système non relié, vertige, Alzheimer de l'univers, l'observation du ciel, plaisir des vacances, cette fois me fait peur. Ce qui était relié ne l'est plus. Le cerveau tend vers la désolidarisation. Les pensées ne franchissent plus les ponts. Où vont les pensées? Où est la pensée de l'univers? Ciel étoilé, vaste cerveau déconnecté, vertige. Des chercheurs scrutent la mémoire de la matière. Des chercheurs scrutent la matière de la mémoire. Les neurotransmetteurs fourmillent, lire le cerveau humain, lire le cerveau de l'univers. Juste avant sa mort, mon père, qui ne parlait presque plus, a soudain énoncé « Il faudra lui donner le vermeil ». Qu'était dans son cerveau en perdition cette chose précieuse que je recompose en merveille. Le connaissant, je peux sans le trahir imaginer ceci. La science est merveille, c'est à elle qu'il faut donner le vermeil. Étoile filante enfin, après de longues heures de guet sur la plage. Mon vœu, qu'une fulgurance illumine un raccourci. Relie les découvertes isolées, recompose de la mémoire et du lien dans l'immense dédale parcouru par les chercheurs de la maladie d'Alzheimer.